Nouvelle proposition de tenue. Alors aujourd'hui, on part dans un dégradé de vert total. Mis à part les collants qui seront noirs, le reste, puisque c'est une robe, le reste, on va faire dans le vert. Donc robe en velours côtelé avec ceinture. Un vert, là ça rend pas bien, ça fait un vert. On pourrait dire un vert tilleul, un vert amande que j'avais pris sur Shein, pas encore porté, donc c'est l'occasion. Avec un foulard, avec voilà, du vert qui se rapproche de la robe et d'autres consonances de vert pour apporter un peu de peps. Et puis ben voilà, hein, un petit imprimé animal que j'avais pris chez Emmaüs. Et des bottines un peu, alors avec la tige côtelée, très très agréable, la kaki que j'ai pris sur Vinted. Je ne sais pas si j'accessoiriserai avec un sac ou pas, en tout cas on va essayer de mettre des bijoux. Et je vous dis à tout de suite pour la tenue portée. Donc on se retrouve avec la tenue portée. Il y aura un petit changement au niveau des chaussures parce que quand j'ai essayé les bottines, bah finalement je trouvais pas ça sympa. Donc j'ai mis mes mocassins noirs, je trouve que c'est plus cool. Avant de remettre mes lunettes, je vais vous montrer. Alors là, j'ai fait un make-up un peu olé olé, hein. Je m'aventure dans des expériences. Mais bon, c'est le week-end. Même si je sors de chez moi, c'est pour aller chez le coiffeur aujourd'hui, c'est pas grave. Mais dites-moi quand même si voilà, je me rapproche. Donc vous voyez, c'est avec donc on reste dans du vert, dégradé de vert. Une palette, c'est une palette que j'avais trouvée chez une Action. Je sais plus la marque, ce que c'était. Vous savez, c'est avec un avocat dessus. Donc voilà. J'ai vraiment pimpé mes yeux. Hein. Là, c'est le cas de le dire. J'ai essayé là ce qu'on appelle enfin une bascule, mais je pense que je me suis un peu loupée. Bref, tant qu'on y est, petite boucle d'oreille, pareil, dans des dégradés plutôt sympas, voilà, qui vont bien avec. Un bracelet, on reste dans le vert et là avec du bling bling un peu. Il est élastiqué. J'avais trouvé ça chez Nose. Je trouve qu'il est sympa. Et alors, je vais reculer. Je vais mettre mes lunettes. Voilà la robe, donc qui est quand même assez courte, hein, avec ce côté-là découpé. Le foulard, je vous avais montré, je trouvais sympa de le mettre en ceinture parce que là, ben, du coup, ça prenait beaucoup d'ampleur. On aurait pu, mais on ne voyait pas les détails de la robe. Voilà, bon, j'ai ouvert le bouton et retourné un petit peu les manches pour être plus à l'aise. J'ai ouvert un bouton. Et donc voilà, collant opaque noir. Et finalement, j'ai mis mes mocassins. En plein hiver, j'aurais mis des bottes noires qui auraient été sympas. Mais là, j'avoue que les bottines, ça faisait trop, ça allait pas. Ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai dit pourquoi pas les mocassins voilà, qui sont fort sympathiques avec cette tenue aussi. Donc là, on est dans les couleurs du printemps, même si c'est du velours assez épais et que bien, il va falloir laisser un peu dans la garde-robe maintenant, puis on va avancer. Mais je voulais quand même essayer. Et puis je pense que finalement c'est une couleur avec les cheveux gris. Je m'aperçois au fur et à mesure qu'il y a des couleurs que je ne mettais pas et je trouvais que ça ne m'allait pas forcément. Et là avec les cheveux gris il y a des couleurs, vous voyez comme cette couleur-là je trouve va très bien. Même le bleu, alors peut-être, je ne sais pas, j'ai pas encore essayé toutes les nuances de bleu, mais il y a beaucoup de bleu alors que je ne portais pas beaucoup de bleu. Et je trouve qu'ils vont très bien. Donc voilà, même les boucles d'oreilles, franchement, on dirait qu'elles ont été faites pour cette robe. Je pourrais aussi, en défaisant, parce qu'il y a la ceinture à la robe, on peut la porter non ceinturée. Je pense que je vais le faire parce que ça la remonte un peu. Vous voyez, on aurait pu mettre ça, voilà, pour sortir. Mettre ça comme ça. Hop, même si on coince le bout ici.
pour sortir, ça peut faire aussi un effet. Vous voyez, il y a la ceinture. Et du coup, moi, je pense que je vais pas la ceinturer. Enfin, j'en sais rien parce que ça me la... Voilà, sinon, elle est toute droite. Et je vais la porter comme ça parce que sinon, ça me fait remonter la robe. Et après, mais bon, voilà, je suis pas forcément à l'aise. Eh bien, écoutez, petite vidéo. Cette petite vidéo arrive à sa fin. Grand temps qu'on aille faire couper tout ça, hein, parce qu'il y a une... On arrive toujours à faire quelque chose, mais j'avoue que là, ça fait un peu raplaplouille par endroits. Gonflé. Bon, ils sont pas complètement secs en plus, là, donc ça va encore. Mais bon, dites-moi ce que vous pensez de cette tenue. Dites-moi aussi ce que vous pensez du make-up, parce que celui-ci, quand même... Moi qui, vous le voyez, hein, je fais de temps en temps des make-up pour les yeux, enfin sur les yeux, mais j'ai plutôt tendance à faire le teint et les lèvres. Donc là, vous voyez, je suis restée en nude hein, pour les lèvres, parce que j'ai mis le paquet sur les yeux. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude, hein, j'attends vos commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !